fait longtemps. Allez, salut. D'ailleurs, on est parti sur la route de voyage. On est parti direction Autun. On fait 200 km aujourd'hui, on va faire des petites étapes. Il nous reste 35 km. Voilà, on est bientôt arrivé. On y va tranquille. On a le temps maintenant. Ça va, Fred, ça se passe bien? Ça va. Il fait très très chaud. On a de la chance. Hein. Ouais. Peut-être que de l'orage ce soir, tu dis, toi? Ça a l'air de se couvrir au loin, donc on verra bien. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, bisous. À tout à l'heure. Ça y est les amis, on est arrivé à Autun. Alors on a trouvé comment ils appellent ça? Une aire pour camping-car. Une aire pour camping-car, mais parking, précisé parking. Gratuit. Ah, gratuit. Vous voyez, vous avez vu là? Regardez, je me suis mis à l'arrache, je vous montrerai comment j'ai fait. Hein Cécile? Arrache. Et l'avantage, regardez, on peut aller se promener avec Hugo autour d'un beau petit lac. Et là, j'ai dit à Cécile, allez hop, allez, demain matin, 6h, muscu. Ouais. Attention, hein. Attention les yeux, on attaque dur. Hein. Remise en forme, surtout pour moi. Il y a des pêcheurs. Ouais, exact. Donc, on a fait 200 bornes de la maison. Ouais. Ben, c'est vraiment, ça va être pas mal. Il y a, je sais pas, un genre de, pas d'arène, mais d'amphithéâtre. Oui. Hein, on ira voir quand même. Et on a le souvenir que, Annabelle la coquinelle, elle était venue aussi dans ce petit coin-là. Donc là, on passe juste une nuit, puis après, demain, on repart. Par contre, il fait chaud. Ouais, il fait chaud. On a de la chance. Hein. Ouais. On a des belles collines. Oh, c'est un beau petit coin. Hein. Ouais. Enfin, non, c'est mignon. Un endroit joli, hein. C'est mignon. Il n'y a pas de baignade. Hein. Il n'y a pas de baignade. C'est autorisé. De toute façon, je n'irai pas. Hein. Alors voilà, vous voyez la salle de muscu là, demain matin. J'ai dit à Cécile, à 6h du mat. Allez hop. Allez Cécile. Allez. Encore une. Allez. Je vais aller courir là. 98. Ah 99. Ah, ouais, allez, encore on souffle. Allez, on souffle à l'effort. Voilà. 100, c'est bien. En fait, on en a fait 4. Hein. 100. Alors attends, j'essaye ça. Ah, vous avez pas vu la différence par rapport à les autres gens? Ouais, eux là ils sont comme ça. Et moi je suis comme ça. Ben, je sors du lot là. Hein, hein Cécile? Ouais. Alors c'est une première avec une remorque en fait. 9-10h on se tire. Donc on s'est mis comme ça. Et j'ai fait en marche arrière. Ben, la tenue, hein, là, ça va quand même. Ouais, elle est un peu braquée. Quand même. Un peu braquée. Alors Cécile a dit que je suis pas droit, mais je m'en fiche. Il y a de l'espace. Voilà, on est super bien. Pour une première. Alors, parce que ça me faisait chier de la détacher et recommencer, quoi. Ah, c'est pas mal, bébé, c'est pas mal. Pour un débutant novice. J'espère qu'on dormira bien, parce que là, t'as pas calé. Ouais, je sais pas calé. Ah, tu vois, on n'est pas ridicule. Hein. Voilà, un peu plus. Bah oui, de vivre un comme peu ça, plus oui. Vivre comme ça, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Petit jeu, alors ça je vous le recommande, hein. Le triamino. Triomino. Eh ben c'est le top. C'est une variante des dominos, mais bien plus costaud. Hein Cécile? Ouais, c'est super sympa, ouais. Moi j'aime bien. À recommander, hein. Franchement. Ouais. Premier petit repas. Léger parce qu'il fait très chaud. Ouais. On se fait concombre, c'est ça? Concombre, tomate, œuf dur. Donc ça, c'est des choses qu'on avait à la maison. Et là, on s'est acheté sur la route un petit chorizo en genre de boudin, là, comme ça. Là. Alors, grâce à la cuisson, avec l'écoflot, comme ça, on ne s'embête pas. Comme ça, on ne dépense pas du gaz.
Et demain, vu qu'on reprend la route, eh ben, on va la recharger tranquillement. Et voilà quoi. Énergie solaire, merci. Là, c'est la dernière petite table qu'on a achetée. Parce que celle-ci, en fait, lorsqu'on s'arrête pour une nuit, ben, c'est assez facile de la poser le soir. Ici, enfin, pour manger à l'extérieur. Et c'est celle-ci maintenant qu'on met à l'intérieur. Je ne sais pas si on avait fait une petite vidéo. On a supprimé la table centrale. Voilà. Ça nous fait un espace bien mieux. Vous voyez. Je ne sais pas si on se rend compte. Voilà, comme ceci. Et on a trouvé ça génial parce qu'en fait, ça ne nous sert pas grand-chose. Surtout en été, hein, il fait très tellement chaud qu'on est toujours dehors. Donc voilà. Et puis si vraiment il flotte, bah, on a cette petite table légère. En plus, on gagne du poids. Ah, tu t'es fait avoir. Bah, peut-être tu t'es fait avoir. C'est peut-être pas les bons, ça. Cécile, elle s'est fait avoir. Au lieu des œufs durs, elle a pris les œufs frais. C'est ça. Les œufs durs sont dans l'autre. Ok. Donc ça, c'était là. Bon, après la petite crudité concombre, et ben on va se régaler avec ce petit saucisse chorizo. Tiens, qu'est-ce qu'il nous reste encore en puissance, tiens, en énergie sur la même air. Je suis encore à 90%. Allez. 90%. Ça va, cool, hein. Allez, on va se mettre à table. C'était vraiment bon. Pas mal, hein, la petite saucisse sur l'isola. Hein. Super bonne. On a acheté ça à Carrefour Market. Ils appelaient ça la grosse cochonne. Ouais. Moi, je n'avais pas voulu le dire, Cécile, moi. C'est pas moi. Bon appétit. Alors, comme vous savez, on est à Autun. Et là, on a vu un truc bizarre. Un genre de... Alors, c'est vachement haut, hein. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. On dirait un chapiteau, mais en terre. Je veux bien savoir. Alors, si vous le savez, bah, dites-le nous dans les commentaires. C'est vraiment étrange. Et voilà. Ça y est, on l'a fait. Alors, c'est étrange, on va aller voir. J'ai l'impression que c'est un morceau d'un château, non ? Une ancienne pyramide ? Oui. Ah ouais ? J'ai regardé, Ah d'accord. Je vous expliquerai, je ferai une petite explication au sac de France sur les images. Ah, c'est vraiment surprenant ce truc là. Ouais. Vraiment mignon là. Donc on se déplace, on va, comme on est courageux ce matin, ils annonçaient à 45 minutes. Non, 15 minutes. Ah, 15 minutes. Après la pierre, 15 minutes après, il y a une cascade. D'accord. Et donc là, on suit le chemin et tout le long, il y a un petit cours d'eau là, qui est bien frais. Ok. Il s'est baigné. Ouais, Hugo, il a picolé de l'eau là. Ah, Hugo. Allez, va te baigner. Allez. Ouais, bah là, il veut pas, il y a la caméra, il veut pas. C'est bien, papa, toi. Donc, en plus, on est à l'ombre. C'est super joli, franchement. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Je recommande, hein, Autun, franchement. Un allez-y. Petit coucou à nos amis Rico et Val, la balade leur aurait plu. Ah ouais, là, ouais, ils auraient kiffé. Vous, les ils auraient kiffé, parce que c'est vraiment mignon. Il faut venir.
cherche la cascade. Alors vous l'entendez là, le bruit? Et pour l'instant, on ne la trouve pas. Je ne sais pas si vous voyez. Là, eh ben, on remonte. C'est chouette, hein? Ouais, pour ainsi dire, ouais. C'est magnifique. Ça y est, on l'a trouvé. Hop. Allez, allez Hugo, allez, allez. Allez. On y est presque. Waouh. Allez, on fait ça en direct. Voilà, la cascade. On est arrivé. On est arrivé, Cécile. Hein? Allez, go. Eh bien. Eh bien. Fais ta toilette, Cécile. Hein? Il y a un chien. Ah, bah bon, il est attaché. Ça fait du bien, hein? Ah ouais. Non, Hugo.